Bonjour les jeunes et les moins jeunes, aujourd'hui on joue à The Binding of Isaac Afterbirth. Mais quel est donc ce jeu au nom si délicieusement biblique? Eh bien justement, vous aimez la maltraitance à enfants, le fanatisme religieux, la psychose, la paranoïa? Bienvenue sur les productions de moi. Non, redevenons sérieux un petit peu et parlons de ce jeu culte, tout simplement. Il a été créé en 2011 par Edmund Macmillan, un jeune barbu américain qui est également le papa d'un autre jeu bien connu pour ceux qui le connaissent. Ouais, je pense que cette phrase-là, j'aurais pas dû la dire. Donc le nom de ce jeu, Super Meat Boy. Donc voilà, là, ça, peut-être que ça vous parle un petit peu. Mais bon, reparlons de Isaac. Tout d'abord, c'était un jeu indépendant, mais un remake a été fait, une renaissance du jeu si vous voulez, et il est sorti en 2014 sous le nom de, attention, grand moment de brainstorming, The Binding of Isaac Rebirth. Renaissance, Rebirth. Ils ont réfléchi longtemps. Bon, enfin bref, nous allons nous pencher surtout sur le DLC du jeu qui se nomme Afterbirth. Et, ben, c'est parti. Donc, regardons un petit peu qu'est-ce que j'ai donc fait, Jack. Comme vous pouvez le voir si habilement, nous avons un file 1, file 2, file 3. Nous allons sur le file 1, qui est mon file à moi. Beaucoup de fails, également. On va dans les stats pour voir que je suis mort 151 fois. Et ouais, mais je suis toujours là pour vous emmerder. J'ai ramassé 302 items, sachant que dans le jeu, il y en a énormément. Peut-être que 302, je suis encore loin de la fin. J'ai tué maman 51 fois. Eh oui, parce que dans ce jeu, on doit survivre à maman. Donc si on la tue, on gagne. J'ai découvert 117 secrets, mais surtout, sur ces 151 victoires, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi le tour de force de 17 victoires consécutives sans aucune défaite. On peut applaudir. Message de The Undertaker. 17 victoires d'affilée. C'est tout, petit joueur? Ou pas. Allez, on va sortir. On va lancer une nouvelle partie. Donc pour être sûr qu'il n'y a rien, on va delete le 2. Tchac. On le lance. Nous allons sur les stats. Sur les stats, nous voyons Death 0, Item 0, Mom Kill 0, Secret 0, Best Trick 0. On peut donc commencer sur une partie vierge. Bon, dans ce jeu, il y a également aussi des challenges. Bon, là, ils sont un peu loqués parce que je n'ai pas joué sur cette partie, vu que, comme vous venez de voir, je viens d'effacer le fichier. ok, on fait un new run, j'ai compris. Nous prenons Isaac, sachant qu'il y a donc d'autres personnages plus des personnages à débloquer. Nous avons Isaac. Nous avons Magdalene, qui est sa sœur. Nous avons Cain, Judas, Ève, Samson, etc., etc. Plein de personnages principaux d'un des livres les plus vendus au monde. Je vous laisse deviner lequel. Et c'est parti. Alors, oh ben nous tombons d'entrée sur quelque chose de sympa. Donc les portes en or comme celle-ci sont des portes qui amènent droit à des salles de bonus. Et nous récupérons de suite un bonus de merde. Voilà. C'est pas grave, il y a des bonus qui sont mieux que ça, hein, mais là, on a vraiment eu de la merde. Allez, on va laisser la bobombe pour lui. Donc mon petit bonus là-haut, je l'ai activé. Maintenant, pour le recharger, il faut que j'aille de salle en salle ou que je trouve des batteries. Voilà. Nous avons trouvé The Chariot. The Chariot va transformer mon personnage, pour résumer, en... comment il s'appelle? En Pac-Man. Voilà. Nous avons toutes sortes de petits ennemis. Chose à préciser sur ce jeu, c'est un roguelike. Qu'est-ce qu'un roguelike? Eh bien, c'est un jeu où toutes les maps, tous les ennemis, tous les bonus, tous les malus vont être générés aléatoirement. Donc vous pouvez faire une partie maintenant, dans une semaine, dans 10 ans, sauf, alors là si ça vous arrive, jouez au loto direct. Vous n'aurez jamais les mêmes salles, les mêmes ennemis aux mêmes endroits. Ça changera tout le temps. Allez, on va tomber sur qui? The Duke of the Flies. Un des ennemis les plus simples du jeu. Voilà. Un des plus simples. Et d'entrée, je me fais toucher. Tiens, je vais lui laisser une bombe. On moumouche un peu tout ça. Allez, pac. La licorne! C'est la licorne de Deadpool! On va se branler avec. Pardon, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi, c'est quelqu'un, il est parti. Alors, un autre petit bonus, à chaque fin de boss on a un bonus, celui-ci me donne un
container de cœur de vie en plus, que vous voyez en haut à gauche. Et chaque container, comme vous venez de le voir, a droit à un demi-cœur. En gros, ça va fonctionner comme pour les premiers Zelda sur NES. C'est-à-dire que vous avez des containers de vie que vous remplissez avec de la vie, et quand vous vous faites toucher, vous perdez un petit peu de cette vie. Je ne peux pas être plus clair, si je ne l'ai pas été, tant pis pour vous. Allez, des petits corps sans tête qui sautent comme ça, c'est délicieux. Car ce jeu, en plus d'être teinté de fanatisme religieux, est quand même un jeu un petit peu pipi caca, un petit peu gore, parce que vous allez tomber sur des corps d'enfants comme ça, inanimés ou animés, vous allez tomber sur des gouttes de pipi, des morceaux de caca qui vont vous attaquer. Là vous voyez, c'est des corps en sang, donc on a un petit peu enlevé la tête. Pour les plus scientifiques d'entre vous, donc on a un petit peu décapité. Les plus littéraires d'entre vous, hein, mais bon. Vous avez compris que même quand je parle, je dis des conneries. Et quand je parle, c'est surtout à ce moment-là que je dis des conneries, ok. Même quand je veux me présenter, je dis de la merde. Allez, là c'est parti, on leur met une bombe à eux. Ça, ça débarrasse. Et là, je fais que des conneries. Pourtant, j'aurais dû mettre la bombe ici en fait. Bon, non, j'en ai, hein. Paf. Parce que sur ces petites cases avec des croix, voilà, il y a des bonus. Alors, j'ai chopé une clé pour ouvrir la salle du bonus, et j'ai chopé un cœur bleu. Les cœurs bleus fonctionnent comme les rouges. Ah putain, super. Le truc... attends, je vais faire péter là, voilà. Les cœurs bleus fonctionnent comme les rouges, à ceci près que eux ne vont pas se recharger. C'est quoi ce bonus-là? Stumped, on va l'utiliser. Ah, ça a l'air d'être... Ouais, je garde la bombe ou ça? Ouais, non, ça fait des bombes gratuites, c'est mieux. Ouais, mais non, t'es invincible. Allez. Je garde l'invincibilité, va. Bon, pour l'instant, j'avouerai que les salles de trésor m'ont quand même rapporté un peu de la merde. Donc là, nous nous sommes attaqués par tes coutelettes de pipi. Ah, nous avons du pipi qui est fan de nous, voilà. Et pour rester dans le scrato total, ça, ce sont des crottes. C'est du caca. Du poop, comme disent les Anglais. Allez. Essayons de tuer tout ce pipi avec nos larmes. Car les tirs de Isaac sont ses larmes. Je vais retourner le personnage, vous allez mieux le voir. Putain, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc vous allez mieux le voir quand je vais me retourner. Attention, je tue tout le pipi. Alors, on a les pansements qui gênent un petit peu, mais si vous regardez sur les dessous des yeux, il y a un peu de flotte. Et en fait, c'est ça, c'est les larmes que pleure Isaac. Peut-être parce que sa mère veut le tuer. Ça peut être une possibilité, je sais pas. Et ce sont les larmes qui pleurent et qui donc vont servir à lancer ces projectiles mirifiques qui permettent de tuer ces ennemis. Allez. Bon, ça serait bien de trouver la salle du boss là par contre. J'en ai marre de faire le tour pour rien. Et voilà, moi je fais que de la merde. Bon, quand on n'a pas les doigts tout boudinés comme moi aujourd'hui, ce jeu est très simple, hein. Franchement, bon, je suis mort, d'accord, 159 fois pour une cinquantaine de victoires, donc ça veut dire que je gagne quand même une fois sur trois. Donc vous n'allez pas me dire que beaucoup de jeux existent où vous gagnez plus d'une fois sur trois. Voilà, c'est tout. Attends, on va mettre une bande là, comme ça en même temps, ça va m'ouvrir la case bonus, et accessoirement, ça va tuer tout le monde. Et j'ai utilisé une bombe pour en récupérer 3, donc c'est magnifique. Salle du boss, nous avons 3 cœurs, un cœur et demi bleu, mais surtout... Ah merde, ça le touche pas? Ah mais c'est pourri en fait! En fait, c'est juste ça me protège quoi. D'accord. Je vais retourner chercher le truc à bombe si ça continue. Voilà, j'ai dû vous péter les oreilles en toussant. On coupera ça au montage, vous inquiétez pas. Alors, Monstro qui est lui par contre le monstre le plus facile du jeu. Franchement, faut être nul pour se faire toucher par un monstro ou par une de ces gouttes là de sang. C'est vraiment le plus simple à battre et le plus simple à gérer quoi. Ah. Voilà. Il faut être vraiment nul pour se faire toucher. Oh putain. C'est là où tu te dis j'aurais dû fermer ma gueule. Allez, il est presque mort.
contre, il est long, hein, surtout quand on n'a pas de bons bonus, parce que pour l'instant, voilà. C'est simple, les deux bonus que j'ai trouvés, il y en a un, je viens de me rendre compte qu'il sert à rien, et le deuxième, je l'ai abandonné. Donc... Alors là, nous avons trouvé la salle du pacte avec le diable. Déjà, ce petit bonus, c'est quoi de... Oh, ouais, j'ai gagné un cœur, ça, hop là. Donc la salle avec le diable, hein. Ce coup-ci n'est pas très bien fourni. En fait, vous sacrifiez un réceptacle de cœur pour avoir un objet qui peut être un peu plus puissant. Je préfère celui-ci à l'autre, parce que là, les dégâts sont augmentés le temps du fonctionnement de ce trinket. Ou de cet objet, plutôt. De ce bonus. Ah, vous m'avez compris, quoi. Allez, on va tuer les messieurs. Donc tout à l'heure, on avait les corps, maintenant on a les têtes tout seul. Hein. On fait attention quand elles meurent, parce que celles-ci, elles sont piégées. Voilà. Il y en a certaines qui, suivant les couleurs, ça change, qui vont mourir carrément. Enfin, qui vont mourir. Qui vont, si je les tue, elles vont mourir. C'est normal. Donc, ils vont exploser. Ce sont des petites bombes. Oh, des vers. Oh, des vers qui crachent du sang également. Mmh, j'adore tout ça. En fait, ce jeu... Hormis d'être... franchement, les graphismes payaient pas de mine, mais ce jeu, il est très addictif. Et donc ce jeu, ce que j'allais dire, c'est le prototype même que vos parents tombent dessus, ils vous interdisent de jouer aux vidéos en vous disant « Non, les jeux vidéo, c'est le mal, mais regarde, on critique Dieu, et en plus, tu dois tuer des gens avec tes larmes. Oh, il y a du pipi, du caca, mais quel est donc ce jeu ? Joue à Call of Duty, c'est moins violent. » Voilà, à peu près, hein. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on pourrait trouver la salle de bonus et avoir un vrai bonus, par contre? Parce que pour l'instant, pour avoir un vrai bonus, j'ai quand même dû sacrifier un cœur, hein. Donc, c'est pas que, mais bon. En attendant, j'ai récupéré une petite carte qui se trouve en bas. Je n'ai pas dit ce qu'elle faisait. Donc, on peut en récupérer pas mal pendant le jeu de cartes de ce style. On a des cartes de tarot ou des cartes joker comme celle-ci. Et elles vont nous donner donc également des bonus. La carte des deux cœurs, là, en fait, elle, si je ne me trompe pas, elle va doubler notre total de cœurs. Mais attention, elle double pas les réceptacles, elle double les cœurs. Donc là, si je me double le 4 sur 4, franchement, ça sert à rien. J'y suis perdant. Là, on va activer ça. Même si j'aurais peut-être dû le garder pour le boss final. Bon, lui, il est simple également, hein. Franchement, là, une fois qu'on a trouvé. Hein. En plus, j'ai des cœurs, mais ils sont planqués. On va chercher le bonus. Donc, ces petits boss, comme celui que je viens d'avoir là, ce sont des boss intermédiaires, en fait. Putain d'araignée, elle a failli m'avoir. Allez, venez. Venez, si vous êtes des araignées. Oh, ok, c'est bon, j'ai compris. Non, ça serait bien. Ah, voilà, bonus. Bon, il y a beaucoup de salles pour y retourner, donc c'est super. Le livre de Belial va se recharger. Et on pourra l'utiliser contre le boss final. Ah, ça, c'est super. Donc, elle m'a vomi dessus, voilà. Je m'y attendais pas du tout, donc... si, je crois que celui-là, ça envoie les... Ça augmente les dégâts des flammes... Ah non, c'est les bombes, oh, putain. Eh, c'est la partie bombe, quoi. Allez, on va tuer le boss. Qu'est-ce qu'il va me donner? Des bombes en plus? Tiens, on va essayer de voir s'il n'y a pas une salle secrète ici, car comme vous le voyez... Voilà, nickel. Comme vous voyez sur la map là-haut, que je vais agrandir, vous avez une salle, celle dans laquelle je suis en surbrillance, une salle en dessous, une salle à droite. Quand il y a au moins comme ça trois salles qui sont qui entourent un vide, il y a potentiellement, je dis bien potentiellement, une salle de bonus derrière. Par exemple, à mon avis, ici... Il doit pas y en avoir parce que d'une, la salle qui entoure les autres est la salle bonus. Et de deux, c'est rare qu'il y ait deux salles bonus dans le même niveau ou alors ce sont pour d'autres bonus en fait. Parce qu'il y a plusieurs salles bonus comme celle-ci. Là, tiens, allez, j'ai assez de bombes. On va aller là-bas. Avec la chance que j'ai dans le coffre, il va y avoir une bombe. Ah non, bon, j'utilise une clé pour en récupérer une. C'est pas grave, c'est pas mal. Allez, on va aller faire le boss. Bon, lui aussi, il est très simple. Donc, normalement, je vais aller au niveau d'après. On va juste essayer de buter tout le monde parce que... Voilà. Allez, quoi. Allez, allez, allez. Bon, voilà, lui... Putain, il est très simple, mais je vais mourir. Prends le cœur, prends le cœur. Si on vous le voyait, hein, même sans avoir de bons bonus,
Le jeu est quand même assez facile. Il faut juste pas galérer comme je le fais. Le... Ah ! D'habitude, j'arrive très bien à ça. Voilà. Les moumouches. Hop là. Hop là. C'est la mouche qui m'a emmerdé en fait. Putain, il y en a deux en plus maintenant. Essayer de débuter avant qu'elle ne me bute. Allez, c'est parti. Torrent te tue rapidement. Attends, je vais mettre des bombes par contre. Ah, ça ira plus vite. Oh là là. Dis pas que je vais crever quand même. Allez, vas-y. Merde, la bombe. Putain, ma propre bombe. Et tu vois, je vais crever sur ce boss là. Un des boss les plus simples, je vais crever, tu sais. Eh non, tu m'auras pas. Eh, putain, toi tu m'auras. Oh là là, non, non. Non, voilà. J'arrive au final à tuer le boss et c'est une mouche de merde qui m'éclate. Bon ben voilà, c'est ce jeu qui est très simple que vous venez de découvrir d'une main de maître par mes soins, parce que je suis allé très loin, trois niveaux, s'appelait The Binding of Isaac Afterbirth. Je vais pas en dire plus, hein, là voilà, je me suis ridiculisé une fois encore, donc exit. Voyons voir les stats. Waouh, je suis mort, une partie, une défaite, bon ratio. Et bien voilà, c'était donc, nous revenons à l'écran de titre, voilà. C'était donc, The Binding of Isaac Afterbirth. Merci d'avoir suivi le boulet que je suis dans ce jeu, et à bientôt pour un autre AOJ. Au revoir. Salut. Salut. Allez, on se refait. Tu vas te parler de nous. Je crois. J'aime. C'est mon cul. C'est bien froid. Je vais pas voir mon cul. C'est cas, oui. Et toi, c'est encore stressé. Mon première impression, mademoiselle Pérez, sur cette nouvelle aventure qui s'annonce plutôt bien. Mon cul écrase la tête à Claude. C'est ce qui s'appelle avoir la tête dans le cul. Je crois que j'ai dit les jeunes, attends. Oula. Ça va rebondir sur un gros. Ça voilà, je voulais, je voulais. Bébé. Ah ah. Attends, mais je vois. Ah quoi. J'arrive. Ce jeu est très simple, hein. Simple, simple, facile. Le plus simple, très simple. Simple, assez facile. Simple, simple. Non, voilà. Il faut être vraiment nul pour se faire toucher.